Combattre le psoriasis avec ses remèdes d'origine naturelle. Le psoriasis est une maladie cutanée d'origine génétique qui peut être aggravée par différents facteurs. Il est donc important de connaître certains remèdes pour calmer vos symptômes. Le psoriasis est une maladie chronique de la peau qui est très difficile à traiter et qui s'aggrave habituellement avec l'âge. Tout facteur peut être le déclencheur d'une épidémie ou l'aggravation de ce trouble, comme un aliment, une situation de stress ou un changement soudain du temps. Toute maladie qui affecte la peau sera source de complexes. Cependant, l'important n'est pas de se laisser emporter par ses sentiments, car, sinon, nous n'allons faire qu'aggraver la situation. La peau est la zone la plus exposée à contracter différents types de maladies, et encore plus maintenant avec la détérioration significative de l'environnement. Dans cet article, nous allons vous en dire un peu plus sur cette maladie. Nous vous dirons également comment préparer des remèdes d'origine naturelle qui seront très utiles pour combattre vos symptômes. Les symptômes du psoriasis. Parmi les problèmes physiques les plus courants de cette condition, on retrouve rougeur, démangeaisons. Dans les cas les plus graves, il cause également de la douleur. Les zones les plus communes où les symptômes du psoriasis apparaissent sont le dos, le cuir chevelu et les extrémités. Cependant, il y a aussi des cas où il prolifère dans les organes génitaux, les aisselles ou même sous les ongles. Cette pathologie affecte principalement les personnes âgées de 15 à 35 ans, bien que son apparition chez les enfants et les personnes âgées ne soit pas exclue. Cause. L'origine du psoriasis n'est pas connue avec certitude, bien qu'il soit connu pour avoir une composante génétique et héréditaire. En effet, si les deux parents souffrent de psoriasis, il est possible qu'un enfant sur quatre souffre de cette maladie. Climatologie. Les changements fréquents de froid et de chaleur peuvent causer le psoriasis. Traumatisme. Tout type de coup peut être le déclencheur de l'apparition du psoriasis dans la zone touchée. De même, les coups de soleil peuvent provoquer des flambées de cette maladie. Médicaments. La consommation de certains médicaments peut contribuer à l'apparition ou à la prolifération des épidémies de psoriasis. Pour cette raison, il est important que nous informions notre médecin des médicaments que nous prenons. Toute situation qui nous cause du stress peut déclencher cette pathologie cutanée. Cette pathologie peut se manifester très différemment chez chaque individu, de sorte que ce livre Sterling classification est basé sur la forme et la gravité de la lésion. Recommandations. Il existe beaucoup de choses que nous pouvons faire en dehors du traitement que notre dermatologue nous prescrit, telles que boire beaucoup d'eau pendant la journée. Hydrater la peau avec des produits naturels tels que l'aloe vera. Aller à la mer, car l'eau salée est très bénéfique. Éviter le tabac et l'alcool. Réduire la consommation de produits laitiers, de sucre, de graisse et de farine raffinée. Améliorer la fonction du foie, des reins et de l'intestin, pour faciliter l'élimination des toxines. Effectuer un exercice physique deux ou trois fois par semaine. Bien se reposer la nuit. Les remèdes naturels pour lutter contre le psoriasis. Les remèdes naturels nous aideront toujours à calmer les symptômes d'un grand nombre de nos maux. Cependant, il est bon de rappeler que dans des cas comme ceci, ils devraient être complétés par des médicaments.
La carotte, riche en antioxydants, est très bénéfique pour tous les types de problèmes de peau. Ingrédients. Que devrions-nous faire? Râper les deux ingrédients, mélangez-les bien et placez-les sur les zones touchées. Laissez agir pendant 20 minutes et retirez. Cette plante est l'une des plus bénéfiques à notre corps et nous aide à soulager de nombreux symptômes différents. Dans ce cas, nous pouvons l'utiliser de deux façons. L'aloe vera a des propriétés hydratantes étonnantes, qui vont nous aider à rénover la peau, et à protéger la peau inférieure aux démangeaisons. Appliquez l'aloe vera directement sur la zone touchée. Immédiatement, vous remarquerez une amélioration. Prise en jus, elle favorise le bon fonctionnement de l'intestin. Cet organe est étroitement lié au psoriasis et nous devons essayer de maintenir une bonne évacuation. Ingrédients. Une feuille d'aloe vera. 3 tasses d'eau, 750 ml. Préparation. Mettez les ingrédients directement dans le mixeur, et mélangez bien. Il est recommandé de boire le mélange 3 fois par jour, jusqu'à ce que vous remarquiez une amélioration. Les acides gras essentiels oméga 3 contenus dans le lin sont très bénéfiques pour la santé de la peau, notamment pour le psoriasis. Ils nous nourrissent de l'intérieur et empêchent le dessèchement et les démangeaisons causées par cette maladie. Que devrions-nous faire? Prenez tout d'abord 2 cuillères à soupe de cette huile, 30 ml, et mettez-les sur les paumes de vos mains. Appliquez directement sur les zones affectées et laissez poser 20 minutes, puis retirez. Les quantités dépendent des endroits où la maladie se trouve. Vous pouvez également opter pour l'huile de coco, car c'est aussi un excellent hydratant.